Ils prennent le bus tous les jours. Ça serait bien qu'on prenne le bus tous ensemble sans payer. Mais si on... Ah, ils sont très bien. Moi, je suis très content des transports en commun. C'est pas bon marché, mais c'est très pratique. Moi, sans transport en commun, je suis bloqué chez moi, je ne peux plus descendre au centre-ville, je ne peux plus aller faire mes courses au centre-ville, mais c'est sûr. Figurez-vous que monsieur... Le service de transport a décidé de supprimer la ligne numéro 6 à partir du 6 avril. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'avoir été prévenu au comité de quartier et qu'en plus, on est quelque part trop loin de la ligne numéro 3 du tramway. Alors on aurait aimé qu'il nous conserve quand même un circuit de service et il semblerait que le message passe pas bien. Voilà. Alors on est intervenu une première fois avec une pétition et on intervient cette fois-ci en manifestant. Et le problème, c'est que ce bus est vraiment un bus de proximité. On descendait de chez soi, on avait le bus en face. Il y a beaucoup de personnes qui vont être pénalisées. Le marché sera pénalisé. Il y a beaucoup de pépés et de mémés dont je fais partie qui ne viendront plus à ce marché. Et il y a des gens qui vont travailler tous les jours, qui prennent ce circuit. Il faut qu'ils aillent à Avenue de l'Odève, mais c'est vraiment impensable, quoi. Surtout que c'est un bus qui est toujours plein. On peut dire que ça rapporte, c'est pas à gagner de l'argent que de supprimer cette ligne. À mon sens, c'est à mon sens. Numéro 6, c'est pépé.